Comme je vous sens un peu fatigué ce matin, c'est vrai que les âmes sont abattues. Non, ce n'est vraiment pas le jour pour être abattu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Il est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Aujourd'hui, c'est le jour... Quelqu'un me dit Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Esprit du Dieu vivant, Seigneur Jésus, tu es bienvenu en moi, en nous, au milieu de nous. Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois, je te célèbre, je t'exalte, je te chéris. Je t'aime, mon trésor et mon Dieu, mon roi, majesté, magnifique, Esprit de Christ, tu es bienvenu dans ce lieu ce matin. Je te reçois, magnifique, Esprit de Jésus, merci. Prends toute la place ce matin, au nom puissant de Jésus. Oui, je te reçois et je te laisse faire. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants ce matin. Merci parce que c'est le jour que le Seigneur a fait. Merci parce que c'est un jour, Seigneur, de joie, où la joie du Seigneur va être manifestée, où la présence de Dieu va être palpable et tangible, Seigneur. Aujourd'hui, des choses vont se produire dans ce lieu aujourd'hui, Père. Nous te sommes déjà d'avance reconnaissants pour tout ce que tu vas accomplir. Par ta bonté, par ta puissante main qui est étendue ici par la manifestation de ta puissance. Notre Père et notre Dieu, nous te célébrons, nous te reconnaissons, nous te remercions. Merci infiniment pour tout ce que tu es, magnifique Saint-Esprit. L'esprit de joie remplit mon âme, remplit mon cœur à l'idée de voir déjà ce que le Saint-Esprit est sur le point d'accomplir. Oui, je te célèbre, je te reconnais. Merci. Aucun de nous ici n'est qualifié, Seigneur. Aucun de nous ici ne peut dire qu'il est digne. C'est toi seul qui es digne. Merci, notre Père et notre Dieu. Il t'a plu de faire ce que tu veux avec qui tu veux. Tu es souverain, magnifique Père de grâce. Je suis, Seigneur, reconnaissant ce matin. Et mon frère et ma sœur avec moi, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Merci. Tendre Saint-Esprit, merci. Qu'il est bon d'appartenir à Christ. Qu'il est merveilleux d'appartenir à la famille de Dieu. Qu'il est merveilleux d'être sauvé par sa grâce. Qu'il est bon d'être réconcilié avec Dieu par le sang de Christ. C'est un honneur et un immense privilège que je ressens ce matin. Qu'il est bon d'appartenir à Dieu. Je te dis merci, je te dis toute ma gratitude ce matin. Oh Seigneur, quelle joie remplit mon âme à l'idée de savoir qu'un jour j'étais pécheur, mais Dieu a eu compassion de moi. Et Dieu a envoyé son Fils sur la croix pour moi. Esprit du Dieu vivant, magnifique Saint-Esprit, merci, merci. Quelle joie, quel privilège, quel honneur. I am glad, I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to my Lord. I am glad. I belong to Jesus. I belong to Jesus. Je suis dans la joie à l'idée de ce que Dieu a décidé de faire. I am glad. I am glad. I belong to Jesus. Je suis dans la joie ce matin parce que le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. I am glad. I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to my Lord. Je suis heureux. J'appartiens à Jésus. Mon Père, je suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant. Je suis heureux.
excellent Père de grâce et d'amour. Ce matin, parle à nos cœurs. Tu fais toutes choses par ta parole redoutable et puissante. Ce matin, bombarde cette parole comme un javelot, qu'elle transperce nos cœurs et cette parole qu'elle nous métamorphose par la puissance du Saint-Esprit. Magnifique Esprit de Jésus ce matin, je refuse d'être vu, je refuse d'être entendu, que Dieu seul soit vu, que le Saint-Esprit soit entendu. Tu es le patron, tu es le boss, tu es le propriétaire, tu es le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Tu es la personne la plus importante sur toute la terre. Tu es le propriétaire de l'Impact Centre Chrétien. Tu es le créateur des cieux. Tu es la puissance de Dieu qui a créé tout l'univers dont la terre fait partie. Magnifique Esprit de Jésus. Ce n'est pas sur nous que nous voulons mettre le regard. Ce n'est pas sur un homme que nous voulons regarder. Mais c'est sur toi, Jésus de Nazareth. Présent ici par le Saint-Esprit. Présent ici, Seigneur, par le gouverneur général du royaume. À toi qui fais ces choses aujourd'hui, à toi tout honneur, toute louange, à toi toute gloire. Oui, nos cœurs reçoivent la parole, que toutes les formes de distraction soient démolies au nom puissant de Jésus-Christ. Que maintenant, Seigneur, tout ce qui est ici et qui ne confesse pas le nom de Jésus, prenne la fuite ou fasse silence au nom de Jésus de Nazareth de Christ. Parce que l'Éternel a parlé ce matin. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Même si je n'avais rien envie de ne rien faire, au moins j'ai envie de t'acclamer. Même si je ne voulais rien faire, au moins j'ai envie de célébrer. J'ai envie de te rendre hommage. J'ai envie de te rendre gloire. Voilà pourquoi je me rappelle que tu m'as donné des mains et tu m'as donné des cordes vocales. Ah oui, je ne me tairai pas. Alors moi, j'acclamerai ton Saint-Nom ce matin. Dans l'assemblée des fidèles, dans l'assemblée des princes, dans l'assemblée des dieux, dans l'assemblée des champions de Dieu et des championnes de Dieu, dans l'assemblée des excellences et des majestés, je t'acclamerai, je te célèbre, je te rends gloire, honneur, louange, splendeur, puissance, majesté, suprématie, domination, éclat, impact, à toi, Jésus de Nazareth, à toi, notre Père qui est dans les cieux, à toi, magnifique Esprit de Jésus-Christ, tu es bienvenu ce matin. Nous t'accueillons. En réalité, ces acclamations ne sont pas pour nous, mais sont pour le roi des rois. Les acclamations, il a dit, j'admite, je demeure au milieu de la louange de mon peuple et des fois de la louange. Il y a des clameurs, il y a des clameurs. Il a dit, poussant des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Et qu'importe si mon voisin n'a pas envie de l'acclamer, je ne l'acclame pas parce que je suis déjà dans la joie. Je l'acclame pour ce qu'il est, je l'acclame pour ce qu'il va faire, je l'acclame pour ce qu'il est en train d'accomplir. Je l'acclame en avance, je n'attends pas qu'il agisse. Moi j'agis déjà vers, je manifeste ma foi, je libère ma foi. Et je t'acclame, et je te célèbre, et je t'adore, et je t'honore. Magnifique Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Admirable Maître et Père, incline nos cœurs pour recevoir la semence d'aujourd'hui et la parole du roi, qui est la parole de Dieu. Mon Père et mon trésor, mon époux, mon bien-aimé, à toi tout honneur et toute louange. Aujourd'hui, nous allons voir l'expression de la bonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore vivre l'expression de la fidélité de Dieu. À Dieu seul soit la louange, à Dieu l'honneur, à Dieu la gloire. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Oh, quelqu'un me dit gloire à Dieu. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Ta bonté aujourd'hui est manifestée, Père. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Tout ce que tu le fais à cause de ta bonté. Qui peut comprendre la bonté de Dieu?
vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la... Elle vaut mieux que les pierres, que l'argent, elle vaut mieux que tout ce qui est matériel. Car la bonté de mon Père, c'est la bonté de Dieu qui me réveille chaque matin. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté, mon trésor et mon Père. Voilà pourquoi m'élève, célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbres, je n'attendrai pas que Dieu agisse. Je manifesterai ma foi en proclamant la bonté de l'Éternel. Moïse a dit, montre-moi ta gloire. Alors que personne ne pouvait voir la gloire de Dieu et vivre, il a dit, l'Éternel, long à la colère, riche en bonté, miséricordieux, bienveillant. Même lorsque j'ai péché, là où je dois être frappé, il ne me frappe pas. Lorsque je me détourne de lui, au lieu de me punir, il ne me punit pas immédiatement. Il donne aux méchants le temps de se repentir au lieu de le frapper. Qui peut comprendre la bonté de Dieu? Qui peut expliquer les bontés de Dieu? Mon Père, mon trésor et mon Dieu. Car ta bonté, tout ce que tu es, la bonté de Dieu. Merci. Oh, quelqu'un me dit alléluia, amen. Bien-aimé, bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans une des nombreuses représentations du gouvernement des cieux, bienvenue dans cette église où Dieu fait des gens ordinaires, des gens extraordinaires. Il transforme les zéros en héros et il le fait par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu ces dernières semaines qu'il existe trois dimensions dans la marche de chaque croyant avec Dieu. Il existe trois dimensions dans la marche avec Dieu. Nous avons dit que la première dimension s'appelle la nouvelle naissance. Laisse ça là. Nous avons dit que la première dimension s'appelle la nouvelle naissance. La deuxième dimension s'appelle le baptême du Saint-Esprit. La troisième dimension s'appelle le revêtement du Saint-Esprit. Dieu veut, et il faut que tu sois conscient de cela, Dieu veut que tu marches dans la plénitude de la dimension dans laquelle il t'a appelé, c'est-à-dire toutes les dimensions. La première étape commence par la nouvelle naissance. Si tu n'es pas encore né de nouveau, alors tu n'appartiens pas à la famille de Dieu. Peut-être que tu es religieux, peut-être que tu es crédule, mais tu n'es pas ce qu'on appelle un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Je sais, aujourd'hui, les gens ne savent plus tellement définir les mots, mais tu viens à l'église pour que nous puissions t'aider à définir les mots. Quelqu'un me dit un croyant. Voilà, un croyant, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, pas quelqu'un qui va à l'église. On parle à l'église pour ne pas être né de nouveau. Quelqu'un me dit amen. Ce qui fait de toi un croyant, c'est le fait que tu es né de nouveau. Et une fois que tu es croyant, Dieu exige, nous avons vu ça toutes ces dernières semaines, Dieu veut pour ton bien que tu sois baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit, que tu reçoives le Saint-Esprit, Et ensuite, Dieu veut que tu ailles encore plus loin, que tu sois revêtu du Saint-Esprit. Pourquoi revêtu du Saint-Esprit? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Parce qu'il y a des choses que Dieu a envie d'accomplir par toi, il ne peut pas les faire. Parce que tu es limité. Il ne faut pas seulement être rempli du Saint-Esprit, il faut être revêtu du Saint-Esprit. Nous avons expliqué que la réponse de Dieu aux maux, aux problèmes de l'humanité, ou encore les trois secrets pour vivre une vie de vainqueur, une vie d'impact, une vie qui compte, une vie de distinction, une vie de gloire, une vie supérieure, de qualité supérieure. Les trois clés, c'est les PPP. Ce n'est pas partenariat public-privé. Non, c'est PPP, la parole de Dieu, la présence de Dieu et la puissance de Dieu. La parole de Dieu, la présence de Dieu et la puissance de Dieu.
Quelqu'un me dit PPP. Quelqu'un me dit PPP. Dis-moi, j'aime le PPP. La parole de Dieu, la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Si tu as seulement la parole mais tu n'as pas la présence, tu vas faire comme les théologiens qui connaissent la Bible par cœur, qui la récitent même à longueur de journée, mais qui n'ont jamais rencontré Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent les versets bibliques. Pas parce que quelqu'un connaît les versets bibliques qu'il a la connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Nous parlons de la connaissance intime de la parole. Toi et la parole, vous devez fusionner. Toi et la parole, vous devez avoir des rencontres régulières. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, etc. Et tout est dans la parole. Quelqu'un me dit amen. Et nous allons le voir ce mercredi. Dieu fait tout par sa parole. Ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi, cette semaine, j'ai oublié de vous dire, c'est une semaine de merveilles. Oh, cette semaine, c'est une semaine des signes et des merveilles. Cette semaine, la parole de Dieu va être honorée. Cette semaine, non seulement la parole. Et quand la parole est honorée, la présence est honorée. Quand la présence est honorée, la puissance est libérée. Cette semaine, ça va être le festival de la gloire. Cette semaine, à partir de mercredi, nous allons venir ici à 18h30. On n'aura pas de place, je sais déjà. Donc, il ne faudrait pas être frustré. Cette semaine, Dieu veut donner sa parole, donner sa présence et libérer sa puissance sur tous ceux qui croient. Quelqu'un me dit amen. Il est donc important, nous avons dit, de connaître le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous parlons depuis quelque temps de l'onction du Saint-Esprit ou encore de la puissance du Saint-Esprit. On ne parle pas de la puissance du Saint-Esprit sans parler de la source, le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est la personne la moins comprise de toute la Bible. On comprend les David, on comprend Jésus de Nazareth, on comprend même Dieu le Père, mais on ne comprend pas le Saint-Esprit. Et je me dis, je pensais encore hier, je me rends compte que des fois, vraiment, parfois, Dieu ne nous facilite pas la tâche. Mais il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc parfois, Dieu ne se révèle pas aussi facilement. Parfois, il faut creuser un peu plus. Et en l'occurrence, pour bien comprendre qui est la personne du Saint-Esprit, il faut vraiment creuser. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tout sur la terre se fait par le Saint-Esprit. Rien ne se fait sans le Saint-Esprit. Rien, absolument rien. Lorsque Dieu voulait manifester la promesse de l'arrivée du Messie, il avait besoin du Saint-Esprit. Mais en réalité, quand on étudie la parole, on se rend compte que le Saint-Esprit était déjà présent au commencement. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Elohim bara, Dieu créa les cieux et la terre. Et je vous ai déjà dit que les historiens juifs, même les théologiens, même les scientifiques ne comprennent pas pourquoi ce mot Elohim est un mot pluriel alors que c'est un mot qui est singulier en même temps. Mystère, mystère, c'est un secret, c'est un mystère. Et juste après, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Il est la première personne qui s'est révélée dans la Trinité de Dieu. Oui, parce que Dieu est trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux, c'est un seul et même Dieu. Jésus dit, le Père est en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et pourtant, Jésus et le Père sont différents, mais en même temps, Jésus et le Père ne sont pas différents, ils sont un. Quelqu'un me dit amen. Oui, pasteur, je ne comprends pas, c'est un mystère. Reste tranquille, assieds-toi et écoute. Tout se fait par la personne du Saint-Esprit. Rien ne se fait sans lui. Lorsque le Père voulait manifester la promesse, le Père cherchait une femme. Et lorsqu'il a trouvé une femme qu'on appelle Marie, le Père a envoyé la salutation, le Père a envoyé la semence par le Saint-Esprit. Et lorsque le Fils devait commencer le ministère, on l'appelait Jésus de Nazareth. Et pour que Jésus de Nazareth commence le ministère, pendant 30 ans, il n'a rien fait. Pour que Jésus commence le ministère, il attendait qui? La personne du... Dis-moi, je t'aime, Saint-Esprit. Lorsque Jésus est parti dans la tombe, mais il fallait quelqu'un pour le faire sortir de la tombe. Il n'est pas sorti tout seul. La Bible nous révèle que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Dieu a ressuscité Jésus de Nazareth d'entre les morts. Il avait besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose. Il se manifeste de plusieurs manières. Tantôt c'est par le feu, tantôt c'est par de l'eau, tantôt c'est le vent. Le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs manières. Mais le Saint-Esprit est une personne que tu as bien souvent ignorée, que j'ai bien souvent ignorée. Je lui disais encore il y a quelques jours, Seigneur, quand je pense que pendant longtemps j'ai vécu, je te connaissais partiellement. Il m'a dit, maintenant tu dois me connaître un peu plus en profondeur.
C'est le Saint-Esprit. Je vous le montrerai. C'est le Saint-Esprit qui est le patron de l'Église. C'est à cause du Saint-Esprit que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il vous est avantageux que moi je parte. Parce qu'il est en moi, mais il n'est que en moi. Il doit se multiplier, il doit se répandre sur la surface de la terre. Quelqu'un me dit amen. Parce que si je ne viens pas, dit Jésus dans Jean 16, le consolateur lui ne viendra pas. Mais si je m'en vais, moi je vous enverrai le consolateur. Il parlait du Saint-Esprit lorsqu'il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ils lui ont demandé, mais tu n'es plus avec nous, quand tu pars auprès du Père. Comment ça se fait que tu es avec nous tous les jours? Il dit, je suis présent par mon esprit. L'esprit et moi, nous sommes un. Le Saint-Esprit. L'esprit de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi, Saint-Esprit, aide-moi à te connaître. Toutes les fois que Paul écrivait, il signait généralement ses lettres. Il terminait ses lettres par une signature bizarre que les croyants au départ ne comprenaient pas. Mais ceux qui avaient le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui te révèle les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à prier. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à aimer Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à marcher avec Dieu. C'est le Saint-Esprit parce qu'il vient en toi. Et Paul terminait ses lettres par que la grâce de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il reconnaît que la grâce a été manifestée par Jésus le Christ. Que l'amour de Dieu notre Père, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tout donné déjà. Il a donné le Fils. Et le Fils, quand il est venu, il a amené la grâce. Et puis il dit, vous les humains, croyants, que la communion, koinonia, que l'intimité, que l'échange, que la communication fraternelle, que la passion avec le Saint-Esprit, ou du Saint-Esprit, ou par le Saint-Esprit, soit avec vous. Donc il ne parlait pas que du Père et du Fils. Il disait que sur la terre, tu es en communion avec Dieu. Tu es en harmonie avec Dieu. Tu communiques avec Dieu. Tu échanges avec Dieu. Par Dieu, le Saint-Esprit. Par Dieu, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit du Père. Dites-moi amen. Pourquoi avons-nous besoin de la puissance du Saint-Esprit? Nous avons dit que c'est l'onction. L'onction est la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit ou encore de l'onction parce que c'est l'onction qui nous permet de produire, de vivre une vie supérieure. Une vie, pas une vie de misère, mais une vie de qualité supérieure. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient là. La vie, c'est le mot Zoé, c'est-à-dire une vie de qualité supérieure. Il n'a pas une vie de médiocrité. Quelqu'un me dit amen et je continue. Je suis venu, dit le maître, pour que mes brebis aient la vie. Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Lève la main. Alors reçois la vie de qualité supérieure. C'est la vie divine. Ce n'est pas une vie ordinaire, c'est une vie extraordinaire. Ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie qui est surnaturelle. C'est une vie par laquelle Dieu te rend capable de dominer sur toutes choses. C'est ça que les pharaons, c'est ça que les Artaxerxès, les Zorobabel, et non pas plutôt les Zorobabel, les Nebuchadnezzar, tous ces rois qui ont été en cas de célébrités dans le monde à l'époque, ces rois impies, beaucoup ne connaissaient pas Dieu. Ils cherchaient tous ce qu'on appelle la vie supérieure, une vie de qualité supérieure. Voilà pourquoi quand on enterrait les pharaons disaient, ne m'enterrez pas, il faut d'abord m'embaumer parce qu'on doit conserver mon corps. Je garde un jour encore l'espoir de vivre, de revenir sur terre et de dominer sur la terre. C'était ça que les pharaons cherchaient. Voilà pourquoi on les embaumait. Malgré ça, ils sont morts, ils décomposaient dans la momie. Pourquoi le Saint-Esprit n'était pas là? Ah, quelqu'un me dit amen. Il y en a un qu'on a mis en terre. Le Saint-Esprit l'a ramené d'entre les morts. Et le Saint-Esprit l'a propulsé dans les cieux, dans les lieux les plus élevés, à la droite du Père. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, pourquoi en avons-nous besoin? C'est la provision de Dieu pour une vie d'impact, pour une vie de triomphe, pour une vie où on domine sur les circonstances de la vie. Je peux avoir la personne de Jésus et puis subir les affaires de la vie. C'est le cas de la majorité des croyants. Nous avons la personne de Jésus. Mais nous n'avons pas la puissance de Jésus. Est-ce que tu sais que tu peux à l'époque, je me rappelais que l'homme le plus fort du monde à l'époque s'appelait Bruce Lee. C'était un Chinois. Cool bonhomme, mais rempli d'une force extraordinaire. Et des techniques qu'on appelle des katas très forts.
Mais j'ai aussi vu des films où Bruce Lee marche avec quelqu'un et puis on tape la personne, le gars ne fait rien. Il avait des... Il se retient. On est en train de taper et puis il regarde. Et pourtant, il a toute la puissance nécessaire en un clin d'œil pour te libérer. Mais il ne le fait pas. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Tu peux marcher avec le Saint-Esprit sans pour autant que sa puissance soit libérée. Parce que pour que sa puissance se libère, il y a des critères, il y a des ingrédients, il y a des règles à respecter. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Le Saint-Esprit. C'est l'onction, la puissance qui te met aux commandes. C'est la puissance du Saint-Esprit qu'on appelle encore l'onction qui brise les jougs, qui ôte les fardeaux. Nous avons vu que quand l'onction arrive, quelqu'un me dit quand l'onction arrive. Parce que l'onction va arriver tout à l'heure. Dites-moi quand l'onction arrive. Parce que l'onction, elle arrive dans quelques instants. Dites-moi quand l'onction arrive. Parce que l'onction arrive dans quelques instants. Quand l'onction arrive, elle produit des résultats extraordinaires. Nous avons vu que quand l'onction arrive, la bonne nouvelle est proclamée. Non plus de manière tiède, molle, avec trouille ou peur, mais avec hardiesse, zèle et courage. On ne te reconnaîtra pas dans quelques instants. J'ai dit qu'on ne te reconnaîtra pas dans quelques instants. Parce que avant la fin de ce culte, tu vas être revêtu d'une puissance pour aller annoncer Jésus. On te dit, qui es-tu pour oser me parler de cette manière? Comment peux-tu me parler de cette manière? Tu vas te dire, j'ai reçu quelqu'un. Pas quelque chose, quelqu'un. La puissance du... La puissance du... Dis-le avec ta foi, avec ton cœur. La puissance du... Lorsque l'onction arrive, quelqu'un me dit lorsque l'onction arrive. Je vous dis, mes amis, l'onction arrive dans quelques instants. Lorsque l'onction arrive, la bonne nouvelle est proclamée avec puissance, avec force. Les cœurs les plus durs, les cœurs les plus fermés, cassés par quoi? La puissance du Saint-Esprit. Hommes, frères, que ferons-nous? Tellement ils étaient touchés. Quand Pierre a parlé, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas la parole d'un homme qui peut toucher autant de cœur. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand je vous parle comme ça, je suis conscient que ce n'est pas moi qui vous parle, c'est l'onction qui vous parle. Amen. Lorsque l'onction arrive, les cœurs brisés, les cœurs déchirés sont guéris, libérés de la haine, libérés de l'envie, de la peur. Les trouillards retrouvent ce qu'on appelle la bravoure, l'hardiesse. Satan qui tient les gens dans la peur, peur de nuit, peur de dormir, peur de travailler, peur de commencer, peur du diable, peur des sorciers, peur de la pluie, peur de la nuit, peur des tonnerres. Il n'a plus peur de rien. Pourquoi? L'onction est arrivée à destination. Lorsque l'onction arrive, les captifs sont libérés de toutes les formes d'oppression, de maladie, de joug. Cette semaine, c'est la semaine des signes et des merveilles. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. Mais rassurez-vous, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que ceux qui disent amen, je perçois ceux qui ont soif. L'onction arrive, ma soeur. Lorsque l'onction arrive, ceux qui étaient dans le chagrin, le deuil, brusquement se retrouvent dans la joie. Pourquoi tu ris? Il dit quelqu'un est arrivé avec sa puissance, le Saint-Esprit et sa puissance. Plus le temps de deuil, plus le temps de larmes. Maintenant, c'est le temps de la joie. Maintenant, tu peux dire, I am glad, I belong to Jesus, I belong to Jesus. Et là, tu es dans la joie, même si on te critique dehors. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Quand l'onction arrive, quelqu'un me dit quand l'onction arrive, elle détruit toutes les formes de souffrance. Tout ce que tu as expérimenté comme souffrance, frustration, c'est parce que tu n'avais pas l'onction. Je te dis qu'aujourd'hui, l'onction arrive. Tes souffrances sont terminées. Oh non, mon frère, je ne suis pas en train de faire ce qu'on appelle une session de motivation. Je suis en train de libérer la parole de Dieu comme il me l'a ordonné parce que tout se fait par la parole. Un des moyens de transférer l'onction, c'est par les paroles. Quand quelqu'un reçoit la parole par la foi, pendant que l'autre est en train de dire amen, mais toi qui as dit amen avec ton cœur, pas avec ta bouche, avec ton cœur, l'onction rentre en toi. Oh, quelqu'un me dit amen ici ce matin. J'ai dit que quand l'onction arrive, quelqu'un me dit quand l'onction arrive, elle détruit toutes les formes de souffrance, passées, présentes et futures. Le futur te dit, je m'excuse, j'avais préparé des pièges, des embûches pour toi, mais je préfère les retirer parce que je reconnais que tu es maintenant différent. Tu as quelqu'un. Quand l'onction arrive,
ta vie est transformée. Et je suis venu te dire ce matin que mon frère, ma soeur, ta vie est transformée à partir de ce jour. Mais il n'y a pas que toi, parce que Dieu ne pense pas qu'à toi. Dieu va transformer ta vie, mais Dieu va aussi passer par toi pour transformer la vie des autres. J'ai dit que Dieu va passer par toi pour transformer la vie des autres. Dieu a un peuple nombreux dans ce pays, Dieu a un peuple nombreux dans cette ville, Dieu a un peuple nombreux sur la terre. Dieu veut toucher les gens. Dieu cherche un homme, il cherche un canal, il cherche un vase dans lequel il peut se déverser et dans lequel il peut se répandre. C'est ton histoire. Dieu va passer par toi pour transformer les vies. Quand l'onction arrive, mon frère, plus besoin de faire des publicités pour dire « Wouhou, je suis là, respectez-moi, aidez-moi !» C'est l'onction qui t'annoncera. Tu n'as pas de pub à faire, tu n'as rien à dire, mon frère. Marche seulement. Quand tu marches, on te regarde, on dit « Ouh, qui est ce type-là » Tu n'as même pas parlé à moi, on dit « Ouh, il y a quelque chose sur lui. Il transporte quelque chose. » Je ne l'aimais pas, mais maintenant je commence à l'aimer. Quelqu'un me dit « L'onction tombe sur moi !» Ah, l'onction arrive dans quelques instants, va tomber sur toi. Que tu sois en chemise, en caleçon, en sandales, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois vieux, que tu sois jeune, l'onction tombe sur toi aujourd'hui. Quand l'onction arrive, mon frère, ma soeur, elle te prend et te dit, ah, tu n'étais rien. En un instant, tu deviens quelqu'un. J'ai dit que tu deviendras quelqu'un. Dis-moi quand l'onction arrive. Parce que l'onction de Dieu est là ce matin. Parce qu'elle va bouleverser ta vie. Tu vas avoir quand même des problèmes parce que tu vas devenir un sujet de contradiction. Certains vont te haïr. On va dire, qu'est-ce que Dieu m'entraîne? Dis-moi, amen. Dis-moi, je suis d'accord. Et certains vont te dire, waouh, quelle merveille. Dis-moi, je suis d'accord. Dans les deux cas, ce qui importe, c'est que la puissance de Dieu vient sur moi. Et elle me distingue. Nous avons parlé des effets de l'onction la semaine dernière. Nous avons regardé comment l'onction a transformé la vie de plusieurs personnes. Des gens totalement ordinaires. Comment leur vie a été retournée, renversée quand l'onction est venue sur leur vie. C'est ton histoire, je le vois, c'est ton histoire. Ah, c'est ton histoire, mon frère. C'est ton histoire. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y avait un cas parmi les effets de l'onction dont nous avons parlé la semaine dernière. Il y a un cas dans deux rois. Je dis, j'ai beaucoup de choses à dire, je vais parler, je vais aller à l'essentiel, je vais aller même très vite. Parce qu'aujourd'hui, là, l'onction arrive. Je voulais vous montrer à quel point l'onction, quand elle vient sur toi, elle te met aux commandes de tout. Il y a une situation que nous voyons dans 2 Rois, chapitre 2, verset 42. Je lis rapidement. À cette époque, un homme vint de Baal, Chalisha. Il apporta des vivres à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et de blé nouveau dans un sac, comme produit de la nouvelle récolte. Élisée dit à son serviteur, « Prends ces vivres-là, partage-les entre tout le monde et qu'ils mangent. » Le serviteur répondit, « Mais comment pourrais-je nourrir 100 personnes avec 20 pains ? Comment puis-je nourrir avec 20 pains toi aussi ? Tu n'as pas fait les mathématiques ? Tu n'as pas fait au moins la chimie, la physique ? Bon, au moins les mathématiques ? Comment peut-on nourrir 100 personnes avec 30, avec 20 morceaux de pain ?» Mais il a oublié qu'il parlait à quelqu'un qui avait l'onction. Quelqu'un me dit « Amen ». Quelqu'un me dit « L'onction ». Quelqu'un me dit « Je veux l'onction ». Ah, désire l'onction, ma soeur, désire l'onction. Élisée répondit, mais Élisée répéta, je t'ai dit, partage ces vivres entre tous et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, chacun mangera à sa faim et il y aura même des restes. L'onction qui était sur Élisée a provoqué la multiplication. Du peu, on est passé encore à l'abondance. Tu vois, ça fait plusieurs fois que je t'explique comment l'onction crée l'abondance. À l'époque, quand tu rentrais dans une maison en crise, une entreprise en crise, il ne se passait rien, les gens perdaient leur emploi. Tu arrives, on continue encore de virer les gens, de chasser les gens. Tu rentres dans une maison, les gens sont encore malades. À partir d'aujourd'hui, tu rentreras dans un lieu, tu apporteras l'abondance. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu rentreras dans une maison. Les maladies vont s'excuser pour dire, excusez-moi, on était là parce que vous n'étiez pas là. En vous, on ne reconnaît pas votre visage, mais on reconnaît celui qui est en vous. Le Saint-Esprit et sa puissance. Le Bruce Lee qui était silencieux pendant qu'on agressait les gens, maintenant le Bruce va commencer à dire Oupa! Quelqu'un me dit amen. À cause de l'onction, ce qui était insuffisance, pénurie alimentaire, est devenu abondance. À cause de l'onction qui vient sur toi, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras plus de rien. Tu ne manqueras de rien.
Vous voyez, on répète souvent les phrases de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais on oublie que David avait l'onction. David avait l'onction. Voilà pourquoi il pouvait dire que l'Éternel est mon berger. Parce que quand on a l'onction, je vous assure, quel que soit le domaine dans lequel tu as l'onction, tu ne manques de rien. Tu ne manqueras bientôt de rien. Quand l'onction vient sur toi, quand l'onction arrive sur toi, elle te saisira. Les hommes vont te faire des cadeaux. Tu ne demanderas même pas. Pas besoin de dire donnez-moi, donnez-moi. Quelqu'un me dit amen. Amen. On vous donne, on vous donne, on vous donne, on vous donne. Voilà ton histoire, voilà ton partage. Dis-moi un bon amen. Amen. Quand l'onction arrive, l'onction a déclenché la puissance de la résurrection d'une femme qu'on appelait la Tsunamite. Toujours à travers cet homme qu'on appelait Élisée. L'onction a proclamé la guérison. L'onction a fait des choses extraordinaires. L'onction fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce que je dois retenir? L'onction me met aux commandes. L'onction me confère l'autorité. Pas besoin de dire respectez-moi. On te respectera. Pas parce que tu es quelqu'un jeune, vieux. Non, parce que tu as l'onction. Pas parce que tu es noir, blanc, jaune. Non, parce que tu as l'onction. Donc ce n'est même plus toi qu'on respecte. C'est celui qui est en toi qu'on respecte. Il s'appelle Christ. Quelqu'un me dit Christ. Ce matin, je voudrais parler brièvement des caractéristiques de l'onction. L'onction est quelque chose de très spécifique. Il existe, mon frère, ma soeur, des différents types d'onction ou des différents types de revêtements. De revêtements. Et ça, il faut le comprendre parce que ce qui vient tout à l'heure, là, c'est différentes formes d'onction. L'onction va tomber sur nous tout à l'heure, sur diverses manières, pour diverses personnes, selon le choix souverain de Dieu. L'onction sert à faire des choses spécifiques ou à produire des résultats spécifiques. Chaque onction, chaque fois que la puissance de Dieu vient sur toi, elle vient sur toi pour te permettre de produire certains résultats, pour te permettre de produire certains effets. Nous avons vu la semaine dernière, par exemple, que l'onction qui reposait sur Joseph et sur Daniel leur a permis d'avoir certains résultats. Et dans leur cas de Joseph et de Daniel, c'était une onction de sagesse et d'intelligence extraordinaire. L'onction qui était sur Salomon était une onction de sagesse extraordinaire. Salomon. Tu vois, on peut avoir l'onction, mais ne pas avoir la personne. Quelqu'un me dit amen. L'onction de sagesse et d'intelligence hors norme était sur Joseph, était sur Daniel. On l'a vu la semaine dernière. Cette intelligence supérieure, ces capacités mentales hors normes, ont propulsé des esclaves dans un pays étranger au sommet des États. Mon frère, l'onction qui vient sur toi va te propulser au sommet du pays. Amen. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit que l'onction qui vient, elle vient aujourd'hui, elle va te lever au niveau du pays. Amen. Pas besoin d'aller faire de la publicité. Quel que soit ton nom, ta taille, ta race, ton clan, ton ethnie, l'onction ne fait pas de distinction. L'onction te prend. Parce que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui te prend. Et il te propulsera. Quelqu'un me dit, je reçois cette parole. Alors reçois cette onction. Elle vient dans quelques instants. Cet esprit supérieur qui était sur Joseph et Daniel était le résultat de l'onction. Dis Seigneur, je veux l'onction. Je vous ai dit la semaine dernière, c'est cette onction, cet esprit supérieur, cette intelligence hors norme, c'est celle-là, qu'on ne vous dise pas le contraire. J'ai étudié moi aussi. C'est cette onction de la sagesse extraordinaire qui a été à l'origine de la transformation de l'Europe que l'on voit aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas d'Europe occidentale. Ou encore l'Occident, non. L'Occident est venu là, parce que l'onction est venue. Cette onction, quand elle est venue en Occident, après ce qu'on appelle le mouvement de réveil de Martin Luther, où les Bibles ont été imprimées, où la Bible, la parole de Dieu, a commencé à être répandue. Elle n'était pas répandue à l'époque. Mais quand la parole a commencé à être répandue, le Saint-Esprit a commencé à agir. Je vous ai dit, parole, présence et puissance. Et c'est là que les hommes ont commencé à avoir des cerveaux. Ils sont là à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des idées, mais j'ai des projets, je ne sais pas, mais j'ai des fourmis dans ma tête, ça fourmille dans ma tête. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je vais faire téléphone, télégraphe, télévision, radio, pénicilline, vaccin. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ils étaient nés de nouveau. Ils avaient reçu l'onction. Extraordinaire. Ça affecte leur capacité. Cette onction vient sur ICC. Parce que cette onction
Attendez, c'est cette onction-là qui va faire que de ce milieu-là va sortir. On nous dit qu'on nous appelle souvent l'église des nantis, qu'il en soit ainsi. Parce que de ce peuple de Dieu sortiront des chercheurs, des ingénieurs, des cerveaux. C'est le résultat de l'onction. L'onction qui était sur Joseph lui a permis de découvrir des résultats, des réponses à une crise économique massive qui frappait toute la terre de l'époque qu'on appelait l'Égypte. L'onction qui va venir va te donner une capacité. Tu veux faire économie? Mon frère, tu seras distingué parmi les économistes. Tu seras un économiste avec une capacité supérieure. Un financier avec une capacité supérieure. Ce n'est pas ta grâce, c'est la puissance de l'onction qui vient sur toi. Cette onction est là parce que Dieu va faire de ce pays un hub, un noyau, un nœud. On a souvent dit que le Congo était un pays de transit. J'ai une bonne nouvelle, mon frère et ma soeur. Nous serons réellement un pays de transit, mais tout le monde voudra rester dans les transits parce qu'ils ne voudront plus partir. Il va falloir maintenant gérer les flux migratoires avec sagesse. Quelqu'un me dit amen. Oui, 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 parce que ça va se faire. Mes yeux voient. L'onction va vous rendre extrêmement intelligent. Même quand on n'aime pas ta tête, on te respecte pour ta sagesse et ton intelligence. Cette onction vient sur toi aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen. Plusieurs types d'onction. Il y a aussi ce qu'on appelle l'onction pour le chant. J'aurai pas le temps de donner toutes les formes, mais je donne juste quelques exemples de types d'onction. L'onction pour le chant ou l'onction pour jouer un instrument. Est-ce que tu sais qu'il y a une onction pour le chant? Il y a chanter ou puis chanter. Il y a jouer ou puis jouer. Quelqu'un me dit amen. L'onction pour le chant va descendre sur nous ici là. Toi, mais moi je ne suis pas parmi les chants. Je te dis que l'onction pour le chant. Parce que tu vois, dans le chant, il y a le chant qui vient du cœur et puis il y a le chant qui vient de la bouche. Dieu cherche les chants qui viennent du cœur. Quelqu'un me dit amen. Cette onction-là va descendre aujourd'hui là. Il est dit de David, quand David jouait son instrument, il jouait une harpe. 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel 16 verset 15. Il est écrit à propos de David, les serviteurs de Saül lui dirent, voici un haut roi, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Et là, verset 23, et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, le roi d'Israël, après sa désobéissance grave, David, qui avait reçu l'onction, prenait seulement la harpe et il jouait de sa main. Alors pendant qu'il est en train de jouer de la harpe, la Bible dit que Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Tu vois, il y a une onction. Quelqu'un me dit l'onction. Oh, dis je veux l'onction. Il y a une onction pour jouer un instrument. Il y a une onction pour chanter. Et les gens, quand ils te chantent, tu as envie de boucher les oreilles. Tu dis, oh Dieu, délivre-moi de cette personne. Et puis il y a des gens, quand ils chantent, tu vois, même quand on prend les CD, les DVD, il y a des DVD qui, quand tu entends le chant, tu te prosternes. Parce que le chant transporte une onction. La présence de Dieu et la puissance de Dieu. Parfois, rien qu'en adorant, souvent même, rien qu'en adorant, la puissance de Dieu se manifeste. C'est ce que David expérimentait ici. Ce n'est pas parce que le pianiste ou le chanteur est bon, non, ou il est compétent, non. C'est parce qu'il a l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis, je veux l'onction. Je veux l'onction. L'onction de Dieu. Oh, la gloire de ta présence. Quand tu chantes sous l'onction, le Saint-Esprit se répand dans la pièce. Et quand la présence de Dieu se manifeste, pendant que tu es en train d'adorer, tu es en train de chanter, tu commences à... Il te faut des... Parce que la présence de Dieu est en train de remplir le lieu où tu te trouves. Alors, tu commences à faire comme moi. Mandele broko boshka balita rababoshka bayosede. Tu n'as pas le temps de dire, Seigneur, je demande la terre, je demande le Congo, je demande la santé. Tu dis, Seigneur, je te demande toi. Je te veux toi. La présence commence à te remplir. Va
Voilà pourquoi il est important, mon frère, d'investir dans les cantiques d'adoration. C'était un conseil gratuit, je ferme la parenthèse. Est-ce que je peux continuer? Moi, j'investis beaucoup dans la musique. Beaucoup dans les cantiques d'adoration. Je crée le parfum de la présence de Dieu. Même quand je n'ai pas envie de prier, rien qu'avec une simple mélodie inspirée de quelqu'un qui a joué sous l'onction, je retrouve ma vigueur. Quelqu'un me dit amen. Il existe aussi une onction, tenez-vous bien, pour prospérer matériellement et financièrement. Oui. Peut-être que tu penses que tous les gens qui ont l'argent, c'est le fruit du hasard. Il y a des gens qui ont l'argent dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit de leurs efforts ou de leur intelligence. C'est le fruit de l'onction. Juste avant d'entrer dans le territoire de Canaan, juste avant d'aller dans la terre promise, regardez ce que Dieu dit à Israël. Dieu dit à Israël, Deutéronome chapitre 8, verset 12, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. » Tu vois, hein? C'est la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit « Amen ». Tu mangeras, tu te rassasieras, pas tu auras encore faim, non, tu te rassasieras. Lorsque tu bâtiras, tu construiras, tu habiteras de belles maisons. Quelqu'un me dit de belles maisons. Quelqu'un me dit, il n'y a rien de démoniaque dedans. Dis-moi ça, je continue. Sinon, je m'arrête, sinon je ne continue pas. Lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera. Il y a quelque chose derrière cette multiplication. Là, cette multiplication-là, elle n'est pas normale. Elle n'est pas naturelle. Est-ce que je peux continuer? Il dit, prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, des scorpions, de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. En fait, il est en train de te rappeler les déserts par quoi tu es passé. Quelqu'un me dit amen. Il est en train de te dire que tous les déserts, toutes les expériences douloureuses que tu as endurées dans la vie ne sont pas le fruit du hasard, mais sont salutaires pour toi. Ça te fera du bien demain. Dis-moi amen. C'est terrible de donner la bénédiction à quelqu'un qui n'a pas été brisé. C'est terrible de donner l'onction à quelqu'un qui n'a pas été brisé. C'est terrible de donner de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi travailler de l'argent. C'est catastrophique. Prends 1 milliard. Wouh, super. Boum, boum, voiture, femme, maison. C'est terrible, c'est une catastrophe. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit verset 17, garde-toi. Quelqu'un me dit, prends garde. Dis à ton voisin, prends garde. Il dit, garde-toi, prends garde. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Waouh! Mon intelligence, mes diplômes, je suis polytechnicien. Alléluia. Oh, ingénieur, bac plus 7, bac plus 10. En fait, j'ai étudié à Marianne Gabi, puis je suis allé en Chine, aux États-Unis, à Harvard, etc. Prends garde de dire en ton cœur que mes compétences, mes capacités, mon savoir-faire, mon nom de famille, mon origine, mon ethnie, m'ont acquis ces richesses. Dis à ton voisin, fais attention. Dis-le même plus fortement, prends garde. De dire que c'est toutes ces choses futiles qui t'ont acquis ces richesses. Parce que Dieu a dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Mais c'est par mon esprit. Et puis verset 18, il te dit, pourquoi il te dit toutes ces choses? Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui, c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne de la force. Dans l'hébreu, ça veut dire power ou encore l'onction. C'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la puissance pour acquérir ses richesses. C'est Dieu qui donne la puissance. Derrière la multiplication bizarre de quelqu'un, il ne faut pas critiquer, c'est l'onction. Ah, quelqu'un me dit amen. Afin de confirmer comme il le fait son alliance qu'il a jurée à tes pères. Quelqu'un me dit l'onction. Quelqu'un me dit l'onction. Mon frère, ma soeur, cette onction vient sur toi aussi aujourd'hui. Cette onction vient sur toi. Mais toute onction vient toujours pour un but. Quelle que soit l'onction que tu reçois, le Seigneur me disait encore, prends garde. Prends garde.
Prends garde. On va commencer à te dire, ouh, pasteur là est trop fort. Ouh, vraiment, j'ai même vu un homme pareil. Et toi, tu vas dire, de rien, de rien. Non, c'est le Seigneur. Hein. Bon, donne d'abord l'offrande quand même. Hein. L'offrande du prophète. Hein. Prends garde. Prends garde. C'est comme ça qu'on perd l'onction. La puissance, là, c'est comme l'électricité. Tu répares, tu suis la télé, tu suis la radio, tu fais tout ce que tu veux. Mais ça peut aussi te tuer. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. En fonction de son appel, un homme peut recevoir plusieurs types d'onctions. Plusieurs types d'onctions. Je vais voir avec vous les différents les types d'onctions qui étaient sur un homme particulier dont on parle génération après génération. Jusqu'à aujourd'hui, cet homme est une référence. On l'appelait David, l'homme au cœur, selon Dieu. La dernière fois, je priais, je dis, Seigneur, moi aussi, je te supplie, accorde-moi la grâce, aide-moi, brise-moi, casse-moi, cogne-moi comme tu veux. Mais moi, quand je ne partirai dans 100 ans, 200 ans, si tu n'es pas encore venu, on doit dire, casse-t'en nous, Yves, l'homme au cœur, selon Dieu. Je disais, puis je pleurais, je dis, Seigneur, qu'il soit dit cela de moi, parce que je ne peux pas comprendre que longtemps, malgré les fautes, malgré les défaillances, malgré les erreurs de David, tu parles avec David en autant de bien. Je te bénirai à cause de mon serviteur, David. Ouh. Quelqu'un me dit Amen. David avait reçu trois types d'onctions. Dans 1 Samuel 22, verset 1, il est écrit, David partit de là. Après que Saül, le roi, ait attenté à sa vie, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à David environ 400 hommes. 400 hommes. Lorsque Saül faisait la guerre, il s'est enfui dans la caverne d'Adoulam. Et pendant qu'il s'enfuit dans la caverne, 400 hommes mécontents, ces hommes étaient des paumés, des frustrés, des mauvais gestionnaires, des endettés, des médiocres, des cancres de la société, des alcooliques, des chanvreurs, des menteurs, des voleurs. En plus, ils sentaient mauvais. Ils puaient. Et quand ils arrivent auprès de David, David avait l'onction. L'onction du Saint-Esprit va faire la différence dans la vie de David. David va utiliser les trois onctions qu'il avait reçues de Dieu, pour impacter la vie de ces 400 personnes. Parce que tu vois, l'onction se transfère beaucoup par association, par environnement et par influence. À force de côtoyer les gens, tu captes leur onction. Quelqu'un me dit Amen. À force d'entendre les gens, tu captes leur onction. À force d'aimer les gens, tu captes leur onction, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Quelqu'un me dit Amen. Alors David va utiliser les trois onctions qu'il avait pour impacter la vie de ces 400 hommes. Des zéros, des véritables zéros. Première onction que David va utiliser, l'onction du prêtre. David avait reçu trois onctions. L'onction du prêtre, du sacrificateur, l'onction du roi et l'onction du prophète. L'onction du prêtre, David est un adorateur. Qu'est-ce que l'onction du prêtre, du sacrificateur? Tu es un sacrificateur. Dieu a fait de nous des royaumes, des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ou encore des prêtres. Ce sont des adorateurs. L'onction du prêtre, quand elle est venue sur David, David a commencé à la déverser sur ces 400 hommes. Qu'est-ce qu'il leur a appris? Cette onction, quand elle vient sur toi, elle t'apprend à connaître Dieu. Elle t'apprend à aimer Dieu. David a commencé à leur apprendre à connaître Dieu, à aimer Dieu, à s'humilier devant Dieu, à adorer Dieu, à avoir la révélation de Dieu, à avoir la passion de Dieu. David, par cette onction, leur a montré le cœur de Dieu. Il leur a montré que Dieu est un Père merveilleux. Que même quand tu pèches, Dieu est miséricordieux. Si jamais tu te réponds de manière sincère, il te fait grâce. Que Dieu est un Dieu bon. Qu'il faut le connaître. Il ne faut pas seulement se laisser utiliser par Dieu. Non.
Parce qu'on peut être employé par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais il faut connaître son employeur, qui est Dieu. Il faut connaître celui qui m'utilise. Il est Dieu. David leur a appris. David a déposé en eux cette onction. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ensuite, David leur a donné l'onction du roi. Donc l'onction du sacrificateur se déversait sur eux. Mais en même temps aussi, à force d'être avec David, parler avec David, manger avec David, écouter David, côtoyer David. Ils étaient dans l'environnement de David. L'onction du roi a commencé à se déverser sur eux. C'est quoi l'onction du roi? C'est l'onction du gouvernement. David avait l'onction du roi. Celui qui est le roi, celui qui gouverne. Il dirige, il administre. Il a gouverné et puis gouverné. On peut gouverner avec l'onction. Frère, quand on gouverne avec l'onction, on voit des résultats extraordinaires. On voit que tu es le patron, mais en même temps, on se dit, ça ne peut pas être toi. Je ne préfère pas faire de commentaires. Laissez-moi continuer. L'onction du roi les a appris à devenir des hommes d'honneur. C'était des paumés, des camés. Pas de repères de la société. Ils étaient déçus de la vie. Mais l'onction du roi, en se déversant sur eux, leur a donné maintenant la capacité d'être des hommes d'honneur. Des hommes de valeur. Vaincre ou mourir pour la patrie. Pour Israël, pour notre Dieu. Mourons. L'onction du roi. On a fait des hommes responsables. Des hommes matures. Des citoyens honnêtes. Ils sont intègres. Avant, quand ils disaient quelque chose, ils ne faisaient pas. Ils disaient, je dis ça, c'est bon pour blaguer. Maintenant, quand ils disent quelque chose, c'est ça l'intégrité. Je fais ce que je dis ce que je fais. C'est ça l'intégrité. Des hommes intègres. Des hommes loyaux, fidèles à David. Pas des hommes déloyaux comme les Judas. Tu vois, il est avec toi, mais il n'est pas avec toi. Hypocrite. Tu es en train de critiquer. L'onction du roi leur a donné la capacité d'être des hommes loyaux. Quand le roi parle, qui veut aller me prendre un propice de Philistin? Moi, mon Seigneur, j'irai. Il n'est même pas encore le roi d'Israël, mais il est en train d'être formé à la royauté. Il est en train d'être formé à l'administration du futur état dans lequel Dieu va les établir. C'est l'onction royale. L'onction pour le gouvernement. L'onction pour la direction. L'onction pour l'administration. Quelqu'un me comprend, oui ou non? Cette onction te rend capable. Là où tu avais ton incapacité naturelle à assumer des grandes responsabilités. Cette onction te pousse à aller lire. Elle te pousse à aller étudier. Elle te pousse à aller t'instruire. Elle te pousse à comprendre le monde dans lequel tu vis. Elle te pousse à comprendre le management. Elle te pousse à comprendre la gestion du projet. Qui te pousse à faire toutes ces choses? L'onction. L'onction ne tombe pas au pays comme ça, tout simplement. Il devient intelligent. L'onction va te pousser à aller t'instruire. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. Quand tu t'instruis, c'est bon de s'instruire. L'onction du roi. La troisième onction sur laquelle que Dieu va déverser, que David va déverser sur eux, c'est l'onction du prophète. David était un prophète, homme de Dieu, adorateur, roi, appelé à gouverner, à diriger, à administrer. Mais Dieu lui donne aussi l'onction du prophète. Et avec l'onction du prophète, David va leur parler de la part de Dieu. Il va impacter leur vie par des paroles prophétiques. David va leur montrer que Dieu a un plan. Et ils sont convaincus qu'il n'y a plus rien à faire dans la vie. Non, Dieu a des plans, non pas de malheur, mais de bonheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Croyez en Dieu, aimez Dieu, attachez-vous à Dieu. Ce n'est pas fini, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini. L'onction prophétique va parler des paroles prophétiques. L'onction va leur dire, les gars, prenez courage, tout est possible à celui qui a la foi. L'onction prophétique va leur dire, vous êtes nés pour la grandeur. Vous êtes né pour la gloire, vous êtes né pour la splendeur de Dieu. L'onction prophétique va bombarder leur vie. Pas par rapport au passé, par rapport à l'avenir. Il dit, aime demain. Ah, mais je n'ai aucun espoir. Aime demain, parce que tu vas voir, demain se prépare aujourd'hui. L'onction prophétique va leur dire, les gars, peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas aujourd'hui, ce qui compte, c'est demain. L'onction prophétique va les projeter dans le futur. Il va parler des paroles venant de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et ils vont retrouver ce qu'on appelle la... Parce que tu sais que quand quelqu'un parle sous l'onction, ses paroles sont redoutables. Quand quelqu'un parle sous l'onction, ses paroles sont chargées d'une véritable force, d'une véritable puissance. Pourquoi? Parce que les paroles contiennent la puissance. Voilà pourquoi Paul a dit dans Romains 1, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile. » Non, ah non, pas moi, ah non. Si ton voisin a honte de l'évangile, ça c'est ton problème. Moi, Castanou, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu.
pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit l'évangile. Jérémie 23, verset 29, dit, Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui casse le roc, qui brise le roc. La parole de Dieu. À force d'entendre les paroles, des paroles, des paroles, des paroles inspirées, des paroles ointes, des paroles où on te booste. Tu sais ce qui se passe? Petit à petit, la parole qui était semée, la parole qui était libérée, a commencé à produire en eux des résultats extraordinaires. La parole qui était envoyée, poum, parole après parole, mais moi, tu sais, moi, je suis noir, poum, tu es capable. Dieu ne fait exception de personne. Ah, mais tu sais, moi, je suis né au village, tu es capable. Jésus est né sur une table et pourtant, il était le roi. Toutes tes excuses, la parole vient, elle te bombarde. Là où tu étais démantelé, disloqué, démembré, décérébré, démodulé, tu commences à retrouver de la splendeur. C'est le résultat de la parole prophétique. Et cette parole, petit à petit, a commencé à transformer le système de pensée de ces gens. Elle a commencé à embraser leur cœur. Leur cœur a commencé à sentir le feu de vous servir, le feu de Dieu, la passion de Dieu. Elle a endommagé l'ignorance qui était en eux. Cette parole qu'ils ont entendue tous les jours a commencé à guérir leur maladie. Les maladies physiques ont commencé à partir. Il dit, oh David, tes paroles nous guérissent. Parce qu'il dit, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Il dit, mais je suis guéri, comment ça se fait? Il dit, en plus, j'étais jaloux, je ne suis plus jaloux. J'avais la haine, je n'ai plus de haine. J'avais peur, je n'ai plus peur. C'est le résultat de la parole. Amen. Ses paroles ont commencé à renverser toutes les forteresses, les raisonnements en eux. Progressivement, petit à petit, l'esprit de vie est venu. L'esprit de puissance est venu. L'esprit de gloire est venu. L'esprit de capacité est venu. L'esprit de force est venu. Et figurez-vous que l'onction de David, le prophète, le roi, l'adorateur, le sacrificateur a commencé à se déverser. Et ces hommes, 13 ans plus tard, sont devenus des héros. Les héros de David, les tueurs de géants, les vaillants hommes de David. 13 ans auparavant, c'était des rien, moins que rien. Mais 13 ans plus tard, c'était des hommes braves. Ils dirigeaient Israël. Toutes les tribus d'Israël, ils dirigeaient. Ils gouvernaient le pays, la nation d'Israël, aux côtés de David. Dans 2 Samuel 23, verset 8, regardez, il est écrit, « Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Joshbet, le Tachémonite, l'un des principaux officiers. Regardez, c'est un homme ordinaire hier. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une fois. D'où lui vient cette capacité? L'onction qui était sur David. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Achoshi, il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Des hommes vaillants, des hommes capables, des hommes compétents. J'ai une bonne nouvelle pour toi et une mauvaise nouvelle en même temps. Mauvaise nouvelle, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui transforme la vie des gens. C'est le fait d'entendre la parole qui transforme la vie des gens. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. Alors, mon frère, je ne veux pas être long ce matin. Qu'est-ce que je veux que tu retiennes? Qui donne l'onction? Le Saint-Esprit. Qui décide de qui doit recevoir l'onction? Qui décide qui doit recevoir l'onction? Est-ce le pasteur? Le? À qui le Saint-Esprit accorde-t-il son onction? À qui? À ceux qui ont? À ceux qui ont? D'abord, avant la soif, il faut d'abord croire à ceux qui sont nés de nouveau. Et quand ils sont nés de nouveau, maintenant ils apprennent à cultiver progressivement l'intimité avec Dieu, la faim, la soif de Dieu. Dieu libère l'onction. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ont reçu le Christ, le Seigneur, ont tous reçu l'onction? Si. On va le voir bientôt. Tous ceux qui ont reçu Christ ont reçu une onction. Mais j'appelle ça l'onction de la première dimension. Ils ont reçu une onction. Tous ceux qui ont reçu Christ ont reçu l'onction. Mais c'est une onction qui est dans la première dimension de l'onction. Alors qu'il y a plus,
C'est comme quand tu vas à la plage, tes pieds touchent seulement l'eau. Alors que ton but, c'était de nager. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tout le monde a reçu l'onction. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens, ça reste au niveau des chevilles. Même pas. L'eau, il recule le rivage. Il dit, oh, faut pas me toucher. Ma kolonanga, tika. En fonction de quoi l'onction est donnée? En fonction de l'appel, de la mission, de la vocation de Dieu pour ta vie. C'est Dieu qui trace la destinée de tous les hommes. Parmi nous ici, là, Dieu a un plan pour chacun. Dieu a une voie pour chacun. Dieu a un appel, un couloir, un territoire pour chacun. Quelqu'un me dit amen. Et c'est en fonction de cela que Dieu donne l'onction. Est-ce que l'onction peut augmenter ou diminuer? Oui, nous l'avons déjà dit, il y a des règles à respecter. Est-ce qu'il faut être responsable de l'église pour recevoir l'onction? Est-ce qu'il faut être un patron dans l'église? Non. Dieu donne l'onction à ceux qui ont cru et à ceux qui ont soif. Quelqu'un me dit amen. Je voudrais terminer en vous disant ceci. Dans la structuration de ce qu'on appelle le corps de Christ, Dieu veut que tout le monde ait l'onction. Tout le monde, dis-moi, Dieu veut que j'aie l'onction. On va le voir dans les prochaines semaines. Le corps de Christ est structuré. Christ est la tête. Ensuite, il y a le cou et les épaules. On va le voir dans Éphésiens 4, on ne va pas lire. Dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous explique par l'apôtre Paul que Dieu a établi ce qu'on appelle des ministères, apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs, pasteurs. Ce sont des ministères. C'est un peu long à expliquer. Je prendrai le temps d'expliquer ça. Mais quelle que soit ma place dans le corps, après les ministères qu'on appelle les ministres, des ministères d'État ou encore les ministères principaux, il y a ce qu'on appelle les ministères d'aide, de soutien. Aucun gouvernement n'est fort s'il n'y a pas des administrations fortes. Aucun gouvernement n'est fort si les administrations ne sont pas fortes. Et aucune administration n'est forte si les citoyens ne sont pas forts. Vous voyez, on part de la tête et on décentralise. Un pays fort, c'est un pays où le gouvernement est fort parce que les institutions, les administrations sont fortes et parce que les citoyens sont forts. Et Dieu a décidé de faire la même chose pour l'Église. On va en parler dans quelques semaines. Quelqu'un me dit amen et je continue. Mais quel... Et puis, quand on parle des citoyens, c'est là qu'on parle des témoins. Qui sont les témoins? Les témoins, ce sont ceux dont Jésus parle dans Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez, allez, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Là, on est dans la catégorie, non pas des ministères, les ministères principaux. On n'est pas dans la catégorie des ministères d'aide de Romains 12, non. On est dans la catégorie des témoins, donc des citoyens. De toute manière, même les ministres d'État sont d'abord, avant tout des citoyens. Quelqu'un me dit amen. Un pays fort, c'est un pays où tous les citoyens sont forts. Et Dieu dit, les citoyens, ce sont des témoins. Les témoins de qui? De Christ. Il leur dit, allez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est tous les citoyens. Quelle que soit la place qu'ils ont dans le corps, au nom puissant de Jésus, tu chasseras les démons. Amen. Et ils t'obéiront. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. S'ils boivent du poison, le poison n'aura aucun impact sur eux. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À qui parle-t-il? À tous les citoyens. Il ne parle pas aux chefs, il parle à tous les citoyens, à ceux qui ont cru. Si tu as cru, lève la main. Alors tu es concerné par ça. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit les malades seront parfois. Non, les malades seront guéris par leur foi. Mais ils ont besoin d'un point de contact pour quelqu'un prier avec eux. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Regardez ce qu'il dit au verset 20, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu leur a donné une instruction. Ils ont le choix. On y va ou on n'y va pas. La Bible dit que eux, ils s'en
en allèrent prêcher partout. Mon frère, ma soeur, l'onction vient maintenant. Parce qu'il y a des maisons dans lesquelles tu dois aller. Il y a des quartiers dans lesquels tu dois aller. Il y a des villes dans lesquelles tu dois aller. Il y a des entreprises dans lesquelles tu dois aller. Il y a des écoles dans lesquelles tu dois aller. Mais pour dire quoi? Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Parce qu'à l'heure même, le Saint-Esprit vous donnera ce que vous devez dire. Dieu a un peuple nombreux. Dieu dit ce matin, quelle que soit ta place, ton rang, ton titre, ta fonction, ça ne veut rien dire. Tout croyant doit être équipé, revêtu de l'onction. Pourquoi être revêtu? Parce qu'il est temps d'aller. Il est temps d'aller. Il est temps d'aller. Cet endroit va être bondé, on va être débordé. Parce qu'il est temps d'aller. Parce qu'il y a une moisson qui est prête et il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Beaucoup trop de raisonnement. On discute, on raisonne, on philosophe pendant que les gens sont en train de crever dans le monde. Dieu a dit, maintenant il est temps d'aller. Et tu dis, mais Seigneur, je vais aller comment? Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous et vous serez mes témoins. Des témoins forts. Ce sont des citoyens qui sont forts. Maintenant, c'est le temps d'accomplir les miracles. Dis à Dieu, Seigneur, c'est le temps maintenant de confirmer ta parole. Parce que moi, j'ai décidé de m'en aller. Alors, ce matin, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Dieu parle à ceux qui ont décidé de répondre à l'appel. Il y a des maisons qui attendent des sauveurs, des libérateurs. Il y a des entreprises, il y a des villages, il y a des quartiers qui attendent. Il y a des rues, il y a des pays qui attendent, qui ont besoin de la manifestation des fils de Dieu, des enfants de Dieu, mais qui ont l'onction. Parce que tout le monde n'a pas l'onction. Tous ceux qui ont cru n'ont pas l'onction. Alors que Dieu dit, je vais déverser mon onction. Et ce matin, le Saint-Esprit va revêtir ceux qui sont prêts à obéir. Et ils s'en allèrent prêcher, c'est-à-dire annoncer partout. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que ton cœur désire commencer à devenir un témoin? Est-ce que tu as envie, toi aussi maintenant, de gagner, que le Saint-Esprit passe par toi, qu'il t'équipe d'abord pour que toi maintenant tu ailles parler de lui, tu ailles annoncer Jésus, tu ailles annoncer le salut de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux répondre à cet appel? Ce matin, mon frère, ma soeur, joue-moi Alléluia, simplement Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a dit d'appeler ceux qui veulent obéir à l'appel. Marc 16, verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Qui est prêt à aller prêcher partout? Partout où Dieu t'enverra. Pourquoi? Parce que tu veux faire plaisir à Dieu. Pourquoi? Si c'est au Parlement, va au Parlement. Si c'est au Sénat, va au Sénat. Si c'est dans la boîte, va dans l'entreprise. Si c'est partout, va, va, va. Qui veut aller prêcher? Dieu dit, pour aller, tu as besoin de ma puissance. Tu as besoin de ma puissance. Tu as besoin de mon onction. L'onction du Saint-Esprit aujourd'hui descend maintenant sur tous ceux qui sont prêts à obéir à la volonté de Dieu. Et ce matin, ceux avec qui j'ai prié ce matin avant le culte, je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout. Nous allons, là où vous êtes, mettez-vous debout. L'onction maintenant est là. Le Saint-Esprit est là maintenant. Ceux avec qui j'ai prié ce matin, ceux qui sont avec moi ce matin pour la prière, nous allons recevoir. Levez d'abord la main là où vous êtes, ceux qui sont prêts à aller. Tout le monde n'est pas prêt à aller, c'est vrai, mais si vous êtes prêts à aller, si vous avez décidé d'obéir à Dieu, de faire plaisir au cœur de Dieu, le cœur de Dieu bat pour les âmes qui ne le connaissent pas. Ils sont encore dans les ténèbres. Le cœur de Dieu soupire. Le cœur de Dieu soupire. Il y a un nombre, impressionnant d'âmes qui sont dans les ténèbres du dehors. Dieu veut les sauver. Dieu veut les appeler. Mais Dieu dit, je ne peux rien faire tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui part et qui annonce. Alors vous tous qui avez levé votre main, je vous demande de bien vouloir vous mettre debout et de venir devant. Je veux simplement, on va vous imposer les mains, simplement là où vous êtes. Vous touchez là où vous êtes. Le Saint-Esprit a commencé déjà à se répandre. Restez calme, restez tranquille. Pendant que vous venez, n'oubliez pas, il répond à la...